venez pour la photo. Oh, trois loulous. Alors. Réunir un maximum de personnes nées dans la maternité Paul Gelet pour une photo souvenir. C'était la volonté du personnel médical avant de changer de locaux. Un rassemblement non sans une pointe de nostalgie. C'est un pincement au cœur pour tous les souvenirs qu'on a ici, hein, les moments de stress aussi qu'on partage. Donc pour nous, c'est la fin d'une histoire, mais c'est aussi la nouvelle maternité, un beau projet qu'on a construit ensemble. Et donc c'est une transition là aujourd'hui avec cette journée d'adieu. La maternité Paul Gelet a vu naître plus de 100 000 bébés au cours de ses 44 années d'existence, dont Manel et Anaïs, venus avec leur maman Anissa. Moi-même, je suis née ici, dans cette maternité, il y a 40 ans. Ça va bientôt faire 40 ans. Et mes deux fils sont nés aussi dans cette maternité. Donc pour Manel, il y a 8 ans et pour Anaïs, 5 ans. Et dans la même chambre où moi, je suis née. On a partagé des émotions importantes ici, des émotions pour nous en tant que femmes, en tant que mère. On a partagé des émotions avec le personnel de la maternité de Roubaix. Donc c'était important pour moi d'être là aujourd'hui. Il fallait tourner la page en immortalisant la maternité Paul Gelet, mais pas d'une façon triste. Et donc pour ça, ça ne pouvait pas se faire sans vous. Et je suis vraiment contente que vous soyez là et je vous en remercie vraiment. Vous allez lever la tête à trois. Un, deux, trois. Un souvenir qui restera dans les mémoires de ceux qui ont poussé ici leur tout premier cri.